C'est parti, mesdames et messieurs, nous allons faire du combo de Shootmania. Et à la main droite. Et je vais vous nos matchs, donc venez, venez me défier. Venez me défier. C'est parti. Et c'est parti. Oh yeah. Ah oui, c'est vrai que... on peut faire des... des combos de... piu piu. Piu piu. Je me fais full focus, c'est bien. Je suis content. Oh fuck my life. Maintenant. Oh c'est bon. On part en match. Eh bien mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à 17151 et je vais actualiser 17276. Hop là. C'est parti. C'est parti. Go go. Je suis avec Neutron encore une fois. Et nous sommes sur la fameuse carte, la, je pense la carte la moins équilibrée de combo Shootmania actuellement. 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Et voilà, il y en a qui se connectent, qui sont là, oh s'il vous plaît c'est quoi tout cet argent machin. Sachez mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de se connecter, que j'ai lancé ce soir un projet My Major Company afin de d'élever notre web TV au rang supérieur. Et j'ai pour cela sollicité les viewers, donc les gens qui regardent cette web télévision. J'avais demandé 3000€ en 20 jours pour acheter un matériel assez basique, une caméra assez basique et un PC assez basique. Et nous avons eu la surprise d'avoir eh bien, une mobilisation absolument exceptionnelle, puisque nous sommes actuellement à 17276€, quelque chose auquel évidemment nous ne nous attendions pas, auquel je ne m'attendais pas, que je n'aurais jamais pu prévoir. Donc meurs. GG, noreux, donc ça c'est très très facile. Serrator, le My Major Company est décalé. Ah oui, hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Lui il va rater son saut. Karaté. Ok. Donc là il faut se mettre ici et regarder. Oh merde, et regarder en bas. Pour voir. Just in case. Just to see if this is cool. Putain le con c'est même pas un fake. Ah non c'est pas un fake. Vous pouvez taper développement de Zerator sur My Major Company, vous devriez trouver le projet assez facilement. Et voilà. Alors raté. Donc là nous sommes en train de faire du combo Shootmania pour fêter ça. Parce que c'est un mode qui mérite d'être connu. Et qui je pense est peu connu par la communauté Shootmania. Bah ouais, normal. Normal, tu fonces dessus. C'est pas moi qui ai du talent. Youhou. Voilà, meurs. Je pense qu'on est sur la plateforme rail, mais j'en suis pas sûr en fait. C'est ce que nous allons voir. Nous étions bien sur la plateforme rail. Et nous avons chopé El Nucleus. Oh merde. Fuck my life. Yeah. Bon, les massacres, hein. Là. En train de les massacrer véritablement. Donc voilà. C'est merveilleux ce qui se passe. Oh fuck. Oh, la flair en plein dans la gueule. Alors le combo c'est assez dur à maîtriser. C'est dur de s'y mettre parce que vous ferez sûrement exploser la gueule au début. Parce qu'il faut maîtriser les armes, faut maîtriser un petit peu la stamina, faut maîtriser le jeu tout simplement. Et c'est un petit peu difficile. Tu envoies du beau jeu là, il y a un mec qui a dit. Bah ouais, attends. Oh yeah. Je l'ai touché. Je l'ai touché au laser. Ah. Ah il est pas... il a pas avancé hein. Où est l'autre? Ah, un flare. Là ils vont peut-être avoir un rail en fait. Mais vous savez ça peut s'inverser en 2 secondes hein. Le mode Parce qu'en fait, il suffit qu'ils nous tuent tous les deux dans un même temps et on meurt quoi. Voilà. Allez là. Ah toi t'es mort. L'autre est pas loin. Je sais pas où il est mais il est pas loin. Laser. Nous avons ramassé un laser. Ah je suis coincé actuellement.
Est-ce que le flair retombe? Ah, il retombe au bout d'un moment. Bon, il est mort lui, hein. Voilà, toi t'es mort. Là, ils ont quasiment plus aucune chance de s'en sortir. Voilà. Hop. Voilà. Ça ne fonctionne pas du tout. Zera, n'oublie pas de me répondre. Oui, je te répondrai. GG, Noreux. TGG, j'ai écrit, mais bon, c'est pareil. Alors, j'ai represse F6 pour avancer dans le matchmaking. Ah oui, c'est vrai que les gens font ça. TGG, très good game. Très good game. Très 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 good game. Voilà. C'est parti. C'est parti. Quel est ton super héros préféré? Marvel, DC Comics, etc. Oh, j'en sais rien. Quel est mon super héros préféré? Je pense que c'est... Je sais pas, je dirais Sonic. Non, c'est pas vraiment un super héros. Comme super héros préféré, je dirais Batman. Batman, c'est un peu... J'avais plein de figurines quand j'étais petit. J'étais ultra fan. Et en fait, un jour, ce que je vais vous raconter est vrai, attention, ne vous soyez pas choqués. En fait, un jour, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris ma Batmobile, je l'ai mise au milieu de ma chambre. J'étais petit, hein, je devais avoir, je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Et j'ai mis des allumettes dedans. En fait, c'est-à-dire que j'ai enflammé une boîte d'allumettes à l'intérieur de ma Batmobile. Je vous laisse imaginer l'état de mes parents de l'époque. Non, c'est en fait c'était les mêmes parents maintenant, mais... Je vous laisse imaginer l'état de mes parents quand ils ont vu la Batmobile en feu avec de la fumée noire de plastique dans la chambre et leur gosse de 7 ans, genre trop content, qui est en train de foutre le feu à la Batmobile. Mais en fait, ils ont mis du temps à s'en rendre compte. Parce qu'au début, j'ai mis la Batmobile et les allumettes. Et après, j'ai mis des figurines en plus, quoi. Genre complètement con, le gosse. What the fuck, retard. Donc voilà. Donc très bien, très bien. Non mais j'étais content, c'était bien. Et j'avais fait ça avec un copain de l'époque. Donc voilà, des copains de l'époque. Enfin, un copain de l'époque. Vous savez, ces fameuses soirées où vos parents discutent et ils amènent les fils de vos amis, machin, dans les repas et tout. Et bah voilà. On avait cramé des Batman, mollet. Oh, je suis nul. Meurs. Vas-y, tombe pour voir. Voilà, tombe. Oh mon dieu. Oh, fuck my life. Meurs, adieu. Oh nice. Il faut qu'on y aille avant eux. Oh déçu. Oh, il doit être tellement déçu. Oh là là, déçu. Nice. Zerator, tu es au courant que tu as presque 500 noms à citer avec de l'eau dans la bouche. Non, je n'étais pas au courant, merci. Oh merde, fuck my life. J'avais un nucléus. 500 noms à citer avec de l'eau dans la bouche. Ouais, bah je vais le faire, hein. Je l'ai promis, je vais le faire. Et il y aura aussi le tirage au sort de la Naga. Donc voilà. Ah, je l'ai bien focus lui. Meurs. Voilà, meurs. Oh, il y a le Nucleus qui vient de pop. Il a tellement pas de chance. On le tue au moment où ça pop, quoi. Ok, je vais aller, mesdames et messieurs, chercher de la vie. Parce que je sais qu'il y en a ici. Voilà. Et il n'y a pas le Railgun de pop. Un petit peu déçu, du coup. Voilà. Voici. Hop. Ah. Voilà. Nickel. Bon, je n'ai plus de vie actuellement. Faut que j'aille chercher de la life. Fuck my life. 10 noms par minute, 1 nom par 6 secondes, en 1 heure c'est bon. Ah non, mais en 1 heure ce sera bon. Non, mais on fera un fil rouge tout au long de la soirée, vous en faites pas. On a de quoi faire. Sinon, ça va être une soirée de lancement, ça va être très festif, très joyeux. Bon, je pense que ce ne sera que du bonheur. Fuck my life. Oh, meurs. Oh, t'es dans l'eau, meurs.
meurt tellement quoi. Meurt. Oh la vache, pas touché. On est en train de gagner actuellement. Il y a 7 à 15. Voilà, 7 à 15. 7 à 17 maintenant. Ça c'est les temps de respawn de chacune des équipes. Et voilà. Voilà. Il a pris le rail au prix d'une vie. Oh fuck. Oh je suis nul. Oh je suis. Oh non, il m'a défoncé. Et là vous voyez, il peut mourir. 9 secondes c'est peu hein. Il peut mourir, il a que 2 points de vie. Et ça pourrait très vite se retourner contre nous. Voilà. Fut le 20, c'est lundi. Oui, ce sera un lundi de 20h à minuit, je pense. Soirée de lancement de... Oh, un lundi de 20h à minuit. Oh! Lol. GG. Je suis tombé dans l'eau. Oh, merde. Moi, je suis un petit peu déçu, du coup. Oh, le gros fail. On l'est massacré, on s'est fait défoncer. Ok. Il est où, mon pote? Mon pote. Viens, mon pote. Où est-ce qu'il est, mon pote? Ah, il se bat avec l'autre pote. D'accord. Aïe. Aïe, putain. Bon, je sais pas où il est, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, il est là. Il va tomber dans l'eau. Va-t-il tomber dans l'eau? Ah, d'accord, donc là... Oh, putain, ça va être chaud. Oh, j'ai eu la flare. J'ai eu la arrow, quoi. Oh, truc de fou. Il y avait les deux de chaque côté. Vous avez vu ce speed de malade? Le lundi, le jour où ma pizzeria est fermée, Zera, merci. Yeah. J'espère que ça fera devenir des partenaires. Honnêtement, c'est ce dont je vais m'occuper. Merde. Tout au long des jours à venir, c'est d'aller chercher des partenaires en leur disant: regardez ce qu'on a fait. Regardez, la communauté est prête. Est-ce que vous êtes prêts? You are not prepared. Bon, tu récupères ça, ok, ça marche. Non, je te faisais confiance. Je te faisais confiance, il s'est passé quoi? Non. Non. Je te faisais confiance. Déçu, méga déçu. Bon, il a 1-1-6, tu as 5-2-5. Donc déçu, mais c'est un petit peu dommage. Moi, les 75€ pour Zera, plus webcam HD, plus t-shirt. J'ai pas encore reçu ta webcam. J'imagine les types chez My Major Company, c'est quoi ce projet, ça marchera jamais, mais bon, on lui laisse une chance. Une heure plus tard, da fuck. Bah, c'est un peu ce qui a dû se passer, mais en tout cas, ils ont été très sympas avec moi, vous voyez. Et honnêtement, quand le mec de My Major Company m'a appelé en plein après-midi, il m'a dit: oui, bon voilà, vous savez, là vous avez mis une durée de votre projet qui est très courte. En général, la plupart de nos projets, c'est 2 voire 3 mois. Il me dit: est-ce que vous avez des impératifs et tout? Je lui dis: bah écoutez, mon projet c'est une web télévision. Moi, mon seul impératif c'est que je veux pas faire du stream webcam pendant des jours et des jours. Et donc c'est pour ça que j'ai pris une petite somme. Il dit: ah mais attention, 3000€ c'est pas une petite somme et tout. J'ai dit: bah vous savez, je voulais mettre 5000, mais vous avez raison, il vaut mieux se méfier et tout. Donc tous les deux on était un petit peu surpris et déçus à la fois. Enfin bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Ok, c'est l'échauffement. Là j'étais un petit peu déçu. Ce qui est certain, c'est que voilà, après, comme vous avez vu, on l'a rappelé en ligne. Il était là: bon bah écoutez, vous avez fait la plus grosse progression sur My Major Company qu'on ait jamais vu. Il était trop content. Et voilà. D'ici quelques heures, il pourra louer le Stade de France. Yeah. Ah la vache. Enfin bon, en tout cas, je vous l'ai dit, hein, si vous arrivez à... Peut-être, est-ce qu'on va arriver à 18 000 avant minuit? J'en doute. Mais c'est possible, hein, s'il y en a un qui arrive qui se dit: oh tiens, si je donnais 500€, je n'avais pas vu que Zerator était en live, machin. Donc à coup de 10€, de 2€, de 5€, vous pouvez tous faire progresser le compteur. Et on va arriver peut-être à 600% de l'aventure. En tout cas, sachez qu'à 50 000€, je vous fais un album. Je vous fais un album. Ah mon dieu. Avec Monsieur Vert et Anos. Une chanson de rap avec Anos, une chanson triste avec Monsieur Vert et une chanson joyeuse avec Bahamut. Voilà. 500€, c'est plus possible, non? Si, c'est possible, mais sans contrepartie en fait. Voilà. Donc c'est vrai que je vois mal quelqu'un donner 100€ sans avoir de contrepartie. Après, s'il y en a un qui donne 500€ et qui veut une contrepartie, je pense qu'on peut s'arranger. Y a pas de problème. Enfin bon. Si vous voulez donner 500€ mais que vous les donnez pas parce qu'il n'y a pas de contrepartie, donnez-les, envoyez-moi un message et promis, on s'arrange. Je suis prêt à faire ce geste. Vous avez vu comme je suis généreux ce soir. Dit le mec. Je suis
suis généreux quand même, hein, vous trouvez pas? Enfin bref. Bon là, à mon avis, on va les massacrer. On a eu le rail sans aucune difficulté. On a eu le nucléus juste après. Voilà. Oh merde. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah, je savais qu'il n'avait rien pris ici. 18K, c'est énorme. Ou tu mets 75€ x 4. C'est vrai. Alors par contre, sachez que si vous achetez deux places au Funcraft, et ça compte que pour une, hein. Je l'ai pas précisé parce que ça me semblait évident que des gens n'allaient pas donner 40€ comme ça, mais... Enfin 40€ deux fois ou je sais plus quoi, mais... Mais voilà, hein. J'espère que c'est compris pour vous. Enfin bref. Hop. Hop, je sais même pas si j'ai pas limité à une par personne, je crois, je sais plus. C'est moi, le stream est plus en 30 FPS. Si, normalement il l'est. Je crois. Enfin oui, non. Oh meurs. Est-ce qu'ils ont pris le nucléus? Eh oui. Ils ont pris El Nucleus. Oh merde. Oh fuck. Fuck my life. On y va. On y va. Hop là. C'est possible d'acheter deux places et d'en donner une à un copain. Bah c'est mieux que tu... C'est mieux que tu dises à ton copain de l'acheter et que je le rembourse. Enfin, et que tu le rembourses. Tu dis à ton copain d'acheter et tu le rembourses à la limite. C'est plus simple, je pense. De toute façon, vous avez 20 jours, hein. Honnêtement, vous prenez pas la tête. Ne faites pas des trucs que vous pourriez regretter demain en vous levant. Vous dites, pourquoi j'ai filé 70€ à ce gros tard, c'est n'importe quoi. Personne ne fait ça. Donc voilà, ne faites pas des choses que vous pourriez regretter. S'il vous plaît, quand même, soyez raisonnable. Oh, 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 meurs. Oh, meurs. Meurs. Putain, mais meurs. Mais meurs, tu vas mourir. Yeah. Hop, 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 hop. Voilà, j'y vais, je ramasse des arrows. Zerator, il y a quoi le lundi? Alors déjà, faut que je fasse le programme de ce week-end, parce qu'actuellement, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc il faut que j'aille faire le programme. On va rester sur quelque chose de très classique, je pense. Hop. Hop. Après, je pense aussi qu'il va falloir que je me prenne des journées entières où je stream pas pour essayer de développer le projet. Oh mon dieu, GG. J'ai eu très peur. Si la population de SDF augmente, ce sera ta faute, Zerator. Oh la vache. Me dis pas ça, quoi. Me dis pas ça. Oh nice. Moins un. Moins un. Est-ce qu'on lui fait confiance? On va lui faire confiance. On va essayer de lui faire confiance. Oh nice. 3, 2, 1. Nucleus. Ok. Là il y a un mec derrière moi, je pense. Mais Osef. Nous allons aller chercher ceci. Alors là je viens de faire une opération absolument exceptionnelle. Nous avons eu laser, nucleus, flair, un point de vie. Au premier ramassage. C'est évidemment exceptionnel. Est-ce qu'ils ont ramassé le point de vie qui est là? Oui. Réponse avouée. Ils restent ensemble, j'ai l'impression que je sais pas ce qu'ils font. Vas-tu refaire des lives avec Fukano et As de Pique? Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Ce sera hebdomadaire tous les mardis minimum. Et si ça marche bien, on en fera plus. Voilà, 3 points de vie épuisés dans la gueule. Oh, oh, oh. Oh. Je fais un peu d'impe. J'ai fait un peu n'importe. D'autant qu'il y avait un point de vie là-haut. Et je vais pouvoir aller le récup normalement. Voilà. Hop. Pas de problème. El Nucleus. Si, El Nucleus. Tranquilo mucho. Tranquilo mucho, Nucleus. Hop. Hop. Et là, et là. Là, c'est le drame. Hop. Oh, dur. Sors. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il a tout évité. C'est un pro esquivator. Tu nous feras un détail de ta nouvelle config pour les amateurs de matos. Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Mais en fait, j'ai déjà un panier que je compte acheter. Mais d'abord, je vais contacter des revendeurs informatiques pour savoir s'ils veulent pas participer au projet. Un petit logo contre un PC, par exemple. Ce genre de choses. Donc, voilà. On va essayer de contacter des gens. Donc je vais pas me presser évidemment. Ce serait la plus grosse des erreurs de se presser.
Même si j'ai envie que ça bouge vite. Oh fuck. Nice. Il est fort, hein. Il est fort mon adversaire. C'est pas de l'ironie. Il est vraiment fort. Oh fuck. Non mais je suis nul. Ah voilà quand même. Voilà. Voilà. Bon j'ai perdu les timers, je vous avoue. Est-ce que pour 3000 euros je peux devenir ton chat? Non. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, excusez-moi. Le quoi? Le... Merde. 3000 euros c'est une fougère dédicacée. Ça vous suffit pas, c'est déjà énorme. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez aux gens? Je suis nul à chier, c'est un truc de fou. Voilà, meurs. Tu vises trop mal, Zera. Ouais, ouais, je vise trop mal. Oh, meurs. GG. Il est 23h54, le temps pour nous de faire un dernier match de combo. Mesdames et messieurs, Zerator, j'ai calculé les 3 premières heures du lancement de ton projet My Major Company, tu gagnais 85 euros de l'heure. Ça va, c'est cool. C'est 10 fois le SMIC, je crois, un truc comme ça. C'est la crise, mon cul, ouais. Yeah, of course. Enfin bon, c'est parti, mesdames et messieurs. Hop. Oh, god shit. Yeah, on y va. À la minute. À la minute. 85 euros la minute. Ah bon. Ok, il faut que j'actualise le même major compagnie. C'est qui a mon klaxon? C'est lui. 17 400 euros. Attends la sortie du nouveau processeur pour ta config. Ouais, ouais. 17 400 euros. Hop là, allons-y. Toi meurs. Meurs. Oh merde, merde, merde. Ah, F6, pardon. Oh. Oh. Oh, dur. Dur. Go. Oh, oh, oh. Oh, nice. Oh, oh. Oh, il m'a touché. Il m'a touché avant que j'y aille. Est-ce qu'il y aura des rediffs Minecraft? Oui, sur YouTube, il y en aura, en effet. Donc voilà. Comment avoir le klaxon? Le klaxon, c'est... Il y a un mec qui l'a linké sur IRC tout à l'heure. Donc voilà, je suis avec Spanky et je joue contre Mass TV Chris. Oh, on joue contre les 12e et le 17e d'Europe. On va se faire nos matchs à mon avis. On va se faire noreux, GG noreux. Donc ils sont ensemble, visiblement. 12e et 17e à mon avis, ils sont ensemble. Et voilà. Vous savez quoi, en fait, cette nuit, je vais mettre les vidéos, Minecraft, les vidéos My Major Company sur YouTube, je pense. Donc voilà. Alors, ils sont où les 12e européens, là? Ils sont où? Ok, ils sont là. Merde. Merde. Du coup, raté. Non, mais imbécile. Ah, mon dieu. Bon, on va considérer que c'est bon là-haut. Ok. On n'a pas eu le laser. Ce qui me laisse à penser que ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé, en effet. Ah, on s'est fait défoncer la gueule. Mais j'ai attrapé un nucléus et un flare. Voilà. Donc est-ce que finalement c'est pas worth it l'un dans l'autre? Il y a déjà 7 à 5. Ok, il se déplace en groupe. Hop. Ok, ok. J'allais tomber dans l'autre de toute façon. On se fait massacrer. Ce sera franchement, ce sera une belle fin de stream. Parce qu'on a fait que gagner aujourd'hui. Et il fallait que je montre un petit peu que parfois certaines personnes sur la Terre peuvent me battre. Voilà. Donc au moins on l'aura prouvé ce soir. Donc voilà. Oh merde. C'est un nice shot ça. Ah ok, ils viennent de prendre le rail en fait. Oh my god. Ah il nous défonce hein. Oh merde. Oh putain. Il nous défonce. GG noreux. Alors je l'écrirai après. Je l'écrirai après. C'est à toi, les VOD de la libre antenne vont être sur YouTube ou pas? Oui, 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 tout ce que j'ai fait, ce sera en VOD. C'est facile,
Facile à répondre comme question. Putain, il m'a défoncé là. Comment il savait que je le suivais? Oh, adieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il me défonce. Les chevilles n'enflent jamais, Zerator. Bah non, puisque je suis le meilleur joueur de la Terre. Et le plus modeste en plus. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en plus d'être le meilleur, je suis le plus modeste. Donc c'est pratique quoi. Ça m'étonnerait que je touche quelqu'un, mais bon. Fuck my life. Eh. Eh ben oui, je t'ai touché, forcément, je t'ai touché. Ok. Là, on est là, on est présent. Nous sommes présents actuellement. On est un peu nuls, ils doivent s'ennuyer, les mecs en face. On doit être des bots pour eux. Pire que des bots. D'accord. Hop. Oh merde. Merde. Oh mon dieu. Je ne sais pas du tout quand ça repop. C'est un peu con ce que j'ai fait. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue dans Shootmania. Oh mon dieu. Nous avons une arme. Non. Non. Je me suis fait éclater à un pixel de l'arme. Je suis deg. Je suis deg. C'est parti mesdames et messieurs. 9 à 3 bien sûr. Et nous allons finir. Nous allons... Oh my god. Nous allons finir. Hop. Hop. Oh fuck my life. Putain, j'étais sûr de le toucher quoi. J'ai même pas touché une seule fois. Quelle catastrophe. Hop. Oh non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est rien, c'est l'émotion. C'est l'émotion. GG noreux. Ils disent même pas GG, regardez-les. Ils disent même pas GG. Non, vous avez peut-être pas vu. Mais... Attendez, je vais actualiser pour voir où est-ce qu'on en est du compteur. Bon, on s'est fait owned. On s'est fait owned. Zerator, tu commences pas à avoir un gros écart entre les lives et les rediffs. Oh si, un écart énorme qui va être très difficile à régler. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu chaud, mesdames et messieurs. Oh my god, qu'est-ce que c'est. Oh, vous avez vu le truc psychédélique que ça a fait. Nous sommes à 17 446 euros, mesdames et messieurs. Donc voilà. Et ce stream s'achève, touche à sa fin. Un stream qui va probablement changer ma vie et une partie de la vôtre. Donc voilà. J'ai lancé, mesdames et messieurs, le lundi. Attendez, je vais vous faire tout l'historique. Le lundi 29 avril à 1h du matin, j'ai créé un projet sur My Major Company qui demandait l'aide des gens. J'expliquais même dans le projet que j'aimais pas trop faire appel aux dons, mais que là il me semblait que c'était nécessaire par rapport à la communauté, etc. Et que voilà, j'allais sûrement le faire. Bref, finalement j'ai créé le projet. J'avais un petit peu d'inquiétude au départ parce que ce projet n'a pas été validé et je me disais en toute honnêteté que ils accepteraient pas mon projet parce que c'est quelque chose qui est pas vraiment un projet, que voilà, je ferais mieux de demander 3000 euros en 20 jours en me disant c'est pas grave, au pire on aura tenté, plutôt que de demander 5000 euros en 20 jours, même si je pense qu'avec 5000 euros j'aurais été un petit peu plus confortable. Et voilà, et là je lance le projet, il est validé. Enfin disons, cet après-midi, quelqu'un de My Major Company m'appelle, me dit excusez-moi, on sait pas trop qui vous êtes, machin, est-ce que vous pensez pas que vous devriez réajuster votre jauge du projet, il faudrait l'améliorer un petit peu graphiquement, parce que là, il est un petit peu dégueu, ce qui était vrai, hein, ce qui était vrai. Donc je l'améliore, je le fais, et je leur envoie un mail en disant, écoutez, ce serait bien de pouvoir valider le projet avant 19h, parce que moi je suis en live ce soir, donc ce serait cool, je pourrais le dire aux gens, etc. Et là, je valide mon projet, et on atteint les 3000 euros en 15 minutes. Donc je me suis dit que si on atteignait un petit peu plus, j'allais appeler l'homme que j'avais eu l'après-midi au téléphone en lui disant alors qu'est-ce que t'en penses machin. Finalement je l'ai appelé, il m'a dit félicitations, il y a tout My Major Company qui s'est joint sur Skype à la conversation pour me féliciter, etc. Vous m'avez tous beaucoup félicité, beaucoup aidé, et on arrive à bientôt 18 000 euros, presque 6 fois ce que j'ai demandé, c'est considérable. En 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, en 5 heures de stream. 5 heures de stream pour réunir 18 000 euros. C'est juste.
C'est juste incroyable, je n'en reviens pas. Et voilà. À tous ceux qui pensent que l'argent va me changer ou ce genre de truc, ne le croyez pas. De toute façon, je pense que si vous avez donné, c'est que vous savez que je peux en faire bon usage. Et je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie vraiment de votre confiance. Tu le mérites, Zera. On regrette pas un seul centime. Donc merci, merci à vous. Il est minuit 3 et je fais pas trop de bruit pour le pauvre voisin. Mais de toute façon, je vais bientôt déménager et changer mes locaux et tout ça, encore une fois, grâce à vous. Vous êtes le pilier de l'e-sport, du développement du streaming, de la starification du jeu vidéo en France et partout en Europe. Vous êtes les pionniers d'un milieu sur lequel des gens, eh bien, essaient de faire bouger des communautés, des gens comme moi, comme Pomfétude, comme Millennium, comme OGaming, comme Eclipsia, comme plein de gens. Voilà, il y a des tonnes de gens qui essayent de faire ça. Vous êtes extrêmement gentils de nous le rendre et de nous aider. Vous vous rendez pas compte à quel point vous faites de notre vie un rêve. Et on espère qu'en retour, on peut faire de la vôtre, eh bien, au moins un sourire par soir. C'est ce qui fait extrêmement plaisir, évidemment, pour ce soir. Il est minuit 4 et je vais couper ce stream. On est à 18 000, 17 500 euros quasiment, 17 486 euros. Et ça continue de monter, voilà, 17 500 euros le temps que j'actualise. Il y a des gens qui n'ont même pas encore donné. Il y a des gens qui pleurent. Merci beaucoup. Je vais probablement pleurer moi aussi hein, quand j'aurai raccroché ce live. Mais je vais pas faire ma tapette comme Ocelot quand même. Je plaisante. Donc minuit 4. Le Dader vaincra, la fougère est présente. Et si vous voulez mettre 3 000 euros pour gagner la fougère. Elle est dispo, je la montrerai d'ici une vingtaine de jours, je pense. Donc voilà, il reste 3 personnes pour 1 000 euros, une personne pour 3 000 euros. Il n'y a plus de place à 200, plus de place à 500, plus de place à 100. Et 75, 40, 20, 10, 5, 2, c'est totalement ouvert et illimité. Et du coup, maintenant, je suis un petit peu ridicule avec ma souris d'aga. Alors ça, je vous le ferai gagner en tirage au sort à la soirée de lancement. Voilà, c'est ma petite souris, ma petite poupée. Donc, je vous la dédicacerai et je vous l'enverrai. Vous valez bien ça. Vous valez bien ça. Donc, ton sourire par soir, tu l'as largement atteint. Voilà, j'espère que je continuerai de vous faire rire, que je continuerai de vous apprendre des choses également, puisqu'il y en a qui apprennent des choses parfois. J'espère que tout va bien se passer avec les gens qui vont faire prendre part à ce projet. Il y en a beaucoup dans l'ombre et on les citera tous à la soirée de lancement. Vous verrez, ce sera le 20 mai, lundi, 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 lundi 20 mai. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous et qu'il y aura un max de gens. En tout cas, ça restera sur Eclipsia. Je garde ce partenaire. C'est pas parce que j'ai eu 16 000 euros d'un coup que je vais me lancer tout seul sur un site qui va mourir au fur et à mesure. Non, pour l'instant, on reste ici sur Eclipsia. Ils m'ont bien accueilli. Là, vous voyez, ils m'ont donné 1 000 euros comme ça, sans que je demande rien, alors que le cap était déjà atteint. Ils ont été très réglo avec moi. Je suis réglo avec eux. Et voilà. Je pense que chacun y trouve son compte dans ce partenariat. Et l'important, de toute façon, c'est ce que vous voyez dans le player, pas ce que vous voyez autour. Donc, à ceux à qui Eclipsia file des boutons, eh ben, je vous invite à un petit peu réviser votre jugement et à ne pas trop juger sur ce que vous entendez. Mais apprendre à juger au fur et à mesure. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci pour tous vos encouragements que je suis en train de lire sur IRC. Donc voilà. Vous êtes trop fort. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Je vais bien dormir parce que oui, je vais dormir parce que je suis crevé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je me lève assez tôt tous les jours pour travailler sur ce projet, etc. Et même avant de lever ces fonds, je travaillais pas mal à tout ça. Et j'espère que ce sera bon pour vous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais reprendre une citation de Twix qu'il a lancé à Lille. Et un truc que j'avais toujours rêvé de faire en live, j'ai envie de vous demander, viewers, quel est votre métier? Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire ce soir, parce que je pense que vous le méritez. Je sais que c'est dans 300, je m'en bats les steaks. Mais moi j'aime bien le fait que Twix et Lège aient lancé ça. Ah-oh! 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 Il y en a trois. Il y en a trois! On vérifie. Voilà, merci à vous. Voilà, ça défile sur IRC, ça défile à mort. Et tout de suite, on va faire les 10 minutes du compteur de fin de stream et à la fin, vous aurez droit à votre petite musique. Mesdames et messieurs, ceci est la fin
du stream de Zerator en ce vendredi, non ce jeudi 3 mai, ce jeudi soir 2 mai, jeudi soir 2 mai, je pense qu'on s'en rappellera tous, moi le premier, mais je suis sûr que vous vous en rappellerez aussi. Merci beaucoup à tous, on va, de toute façon je vais en parler tous les soirs et on va suivre l'évolution du projet My Major Company pendant ces 20 jours, je ferai la screen région sur le projet et on verra comment ça évolue parce que je vous l'ai dit, plus vous donnez et plus on arrivera à faire de belles choses. Donc merci, merci beaucoup et voilà, merci aux ingénieurs, merci aux tardes, merci aux modérateurs, aux graphistes, à Vision Elf, à tout le monde, à Fury, à tous les gens qui ont streamé sur cette chaîne, les Nanashore, Eclipsia, Millennium, tous les gens qui composent aussi tout ça. Et tous les gens qui sont passés déjà sur cette chaîne, je pense notamment à Bob le Gob, Noxer, donc Vision Elf, Fury, Baramout également qui est passé. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui veulent que je leur fasse des enfants. J'ai déjà expliqué comment faire des enfants. Donc, enfin, comment vous pouviez avoir un enfant de moi. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos CV et ce genre de choses. Donc voilà. Merci. On vous aime, comme dit Fury, parce que c'est vrai qu'avec Nanashore, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses aussi. Je l'espère en tout cas. Merci à toutes et à tous. Je vous tiens au courant de ce qui se passe pour les projets avec Facebook et Twitter. N'oubliez pas de faire tourner, c'est très important. On va dès demain commencer à démarcher des gens. J'espère que les partenaires seront au rendez-vous et qu'ils seront motivés pour ça. Merci à tous. Bonne nuit. Vous avez bien mérité votre sommeil. Vous êtes les meilleurs viewers du monde. Je vous aime et je vous dis à demain dès midi. Salut à tous. Ciao, ciao.